Propulsé sur console et PC par le papa de Brad, The Witness est un long projet dans lequel son créateur s'est investi durant presque 8 ans. L'aventure se déroule sur une île ouverte reprenant de nombreux panoramas plus zen les uns que les autres. Forêts, montagnes, déserts égyptiens, marais, champs de pommiers, scieries, le tout saupoudré de couleurs chatoyantes dans un style cel-shadé semi-réaliste très réussi. Mais l'utilisateur n'est bien évidemment pas enrôlé dans le jeu pour s'offrir d'agréables balades. The Witness, c'est aussi voire surtout des puzzles et des énigmes à résoudre. Et c'est d'ailleurs précisément autour de cet axe que se développe tout le concept de son gameplay. À savoir relier un point A et un point B par l'intermédiaire d'un trait continu sur des cadrans que l'on pourrait assimiler à des sortes de labyrinthes. Une simple dictature. Rien de plus, rien de moins. Si l'on exclut le fait que ces derniers varient et évoluent en impliquant régulièrement de nouvelles méthodes de complétion allant de la symétrie au checkpoint obligatoire. Mais la singularité de cet ensemble ne provient pas de la multitude de puzzles, ni de l'originalité de l'évolution d'un principe bête comme Chou, ni même de la totale liberté d'exploration qui entoure les pérégrinations du joueur, mais bel et bien de la manière dont The Witness suggère de s'y prendre pour résoudre ses nombreuses énigmes. Ne cherchez pas de panneaux fléchés et ne vous attendez pas à des tutoriels chiants à n'en plus finir. The Witness offre une grande liberté aux joueurs, mais excelle surtout dans la manière de leur apprendre à se débrouiller seul. Ici, tout est progressif. The Witness incite à réfléchir, comprendre, interagir, progresser, et ne force jamais quiconque à se heurter à un insolvable puzzle rendant la progression impossible. Au contraire même, l'échec sera une étape dans la progression et la résolution de cette aventure. Et si parfois tourner les talons sera la meilleure idée pour laisser l'esprit se reposer, il sera toujours possible d'y revenir plus tard, après avoir découvert un autre didacticiel thématique dans une zone différente de l'île, expliquant plus en détail ce rouage qui paraissait si mystérieux. Car dans le fond, ce qui est incroyable avec The Witness, c'est cette faculté qu'il a de faire progresser par sa construction. De la première à la dernière minute, l'impression d'apprendre ne cesse d'être palpable. Et, à l'image du plaisir que cette sensation procure, achever une zone s'avère comme un sésame sensationnel. Mais n'allez pas croire pour autant que tout est aisé dans le titre de Jonathan Blow. The Witness reste et demeure un jeu difficile. Très difficile, de par sa liberté de mouvement pouvant conduire par instant à se perdre, et bien sûr de par son rouage principal, à savoir les puzzles, dont le niveau de complexité allant crescendo, ou même pire, quand plusieurs systèmes seront associés, mélangés, déformés, conduira parfois à ressentir de la frustration, voire du désespoir. Car au milieu d'une telle quantité d'énigmes, il arrivera indubitablement un moment où vous vous retrouverez l'air hagard, les yeux vitreux comme ceux d'un poisson hors de l'eau depuis 3 semaines, en quête de réponse ou de compréhension. Hein ? Et moi à la fin d'être un poisson globuleux qui galère avec des puzzles, ah non tiens, celui-là il était facile, des puzzles, encore des puzzles, bah moi je craque. Pourquoi m'oblige à retourner mon cerveau pané en tous les sens juste pour ta gueule, hein? Tu peux me l'expliquer ça, monsieur Blow? Hein, tu peux? Alors The Witness est-il un grand jeu? Une tentative de faire évoluer les joueurs? Ou bien est-ce un simple puzzle game astucieux et intelligent, voire un moyen de faire passer un message? Ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous parvenez à surmonter la difficulté pouvant par instant vous pousser au suicide, The Witness ne déçoit pas. Intelligent dans sa mécanique et brillant dans sa construction, le titre de Jonathan est une aventure avec un grand A qui mérite d'être vécue. La seule condition étant qu'il faudra inévitablement se sentir concerné par cet échafaudage à base de réflexion, et... bah de réflexion.